J'ai travaillé plus de 50 ans au McDonald's, alors je peux vous délivrer avec assurance la vraie recette du wrap ranch, c'est celui au poulet. Regardez juste comment monsieur se régale, bah ouais, il a l'habitude, ça fait 50 ans que je lui fais ça. Allez, enregistrez la recette, c'est parti. Tout d'abord, vous prenez des escalopes de poulet que vous découpez en aiguillettes. Ensuite, vous les mettez dans une assiette creuse et vous rajoutez sel, poivre, ail, paprika et vous mélangez bien tout ça entre vos mains. Après, vous faites trois assiettes, une de chapelure, une avec deux œufs battus et une avec de la farine dans laquelle vous rajoutez du paprika et de l'ail en poudre et vous mélangez. Vous prenez chaque morceau de poulet et vous le trempez dans la farine, recto verso bien partout, puis dans l'œuf, puis dans la chapelure. Vous faites frire tout ça dans une poêle remplie d'huile à feu moyen. Vous laissez cuire environ 3 minutes de chaque côté, ça cuit très vite. Une fois que c'est cuit, vous le déposez sur du papier absorbant et on passe à la sauce. Dans un bol, vous mélangez une cuillère à café de mayonnaise, 2 cuillères à café de crème fraîche. Vous rajoutez un peu de jus de citron, de la ciboulette et 3 grosses cuillères à soupe de parmesan. Voilà, c'est ça l'essentiel de la sauce. Et vous mélangez bien tout ça. Pour le dressage, vous prenez votre wrap, vous versez de la sauce, ensuite vous couvrez avec des oignons frits. Vous rajoutez une feuille de salade, une aiguillette de poulet pané, 2 petits morceaux de cheddar et vous refermez le wrap comme moi sur la vidéo. Et voilà, regardez ce que ça donne à l'intérieur et n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir une nouvelle recette par jour.